Dans ma cour ici, sauf si je suis mort. Ce n'est qu'une crèche. Pourquoi t'obstines-tu à lui refuser ça? J'ai décidé que si j'avais un fils, j'allais le consacrer à Dieu. Et ça, je le ferai. Inch'Allah, Ahmed sera imam. Et Ahmed veut construire une crèche dans leur cour, chez eux. L'Ad n'est pas du tout facile. Il ne s'amuse pas à sa religion. Je peux tout faire, sauf ça. Aujourd'hui, islam et catholicisme ne s'opposent à rien. Ahmed doit nous aider. À une seule condition. Laquelle? Que vous m'aidiez aussi à construire ma crèche. Hmm? Ce n'est pas possible. Tu es musulman et fils de l'Aki. Et alors? Est-il encore passé, Marcel? Marcel! Marcel! Oh, arrête de crier tôt le matin. Marcel et Ahmed viennent de sortir tout de suite. Avec Ahmed? Curieux, ça. J'espère qu'il ne veut pas feinter la messe, hein, ce petit-là. Dis-moi, est l'enfant malade? Aïe, tu sais, la maman là s'est affolée pour rien. L'enfant s'est évanoui par manque de calcium. Pourtant, je leur avais prescrit des médicaments. Mais ils ont refusé de me payer. Je fais quoi? Pauvre Sylvain. Tu viens à la messe au moins? Non, ce qui m'intéresse actuellement là, c'est mon lit. Mes yeux sont lourds de sommeil. Allez, bonne messe. Allez. Réveille ton fils, c'est l'heure de la prière. Il est sorti très tôt ce matin. J'espère que c'est pour aller à la mosquée. Sinon, il viendra me trouver ici. Ntigi ala mbi barka la eye bari neni moto tekle ye neye akekela ye makarenela. Le corps de Christ.
le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi tu peux pas se manger les mois pas? C'est normal. Tu es musulman et tu n'as pas pris ta première communion. Rien n'est normal ici. Et puis première communion là, ça veut dire quoi encore? C'est le sacrement qui t'autorise à prendre l'Eucharistie. Sacrement, Eucharistie. Tout ça là, c'est compliqué pour moi. Je t'explique. D'abord, il faut se convertir. Aller au catéchisme et prendre sa première communion. Allez, viens, on y va. Fais-moi dire ça, toi. Mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Lani, tu m'as appelé. Oui, mais écoute plutôt ton fils. Je crois qu'il est tombé sur la tête ce matin. Eh bien, répète ce que tu m'as dit. Papa, moi je veux me convertir. Aller au catéchisme. Faire ma première communion comme Marcel. T'as entendu? C'est mon fils qui parle comme ça. Moi, adjoint de l'imam du quartier, j'ai été deux fois à la Mecque. Et c'est mon enfant qui veut se convertir pour devenir chrétien. Mais il est devenu fou, bien quoi. Mais Ahmed, toi tu es musulman. Ton père est Laji. Moi je suis Adja. Tu veux quitter la religion musulmane? Non, maman, pas du tout. Jamais. Moi je veux faire les deux à la fois. Espèce d'idiot, où est-ce que tu as vu ça? Ce n'est pas possible. Un musulman à part, un catholique à part. Mais papa, quand j'écoutais ce matin à l'église, on parlait de Dieu aussi. À l'église? Bien sûr, j'ai accompagné Marcel. Espèce de petit imbécile, écoute-moi bien. Que ce soit la dernière fois, tu m'entends? La dernière fois que je te vois mettre les pieds là-bas. Mais papa, on ne retourne pas à son père. C'est impoli ça. Et si tu ne veux pas mourir de mes propres mains, tu as intérêt à ce que ce soit la fin de cette histoire. C'est clair? Va plutôt prendre la bouilloire et te purifier. Pour ma part, je vais gêner pour sauver ton âme. Mais ça ne va pas chez lui. Hein? Vous savez, la Tabaski, c'est pour bientôt. Vous avez intérêt à apprendre par cœur les versets pour la nuit de la lecture du Saint-Coran. Compris? Oui, mère. Vous pouvez rentrer. Toi, Marcel, là, c'est pas la peine, quoi. C'est maintenant que tu arrives. Excuse-moi, ça. Maman m'a obligé à ranger ma chambre. Je n'ai pas pu m'échapper. C'est pour ça que tu as raté tes leçons d'aujourd'hui. Hein? Pourtant, on parlait des sourates sur les prophètes. Quand même. Ce n'est pas grave. Demain. Allons-y, il ne faut pas qu'on soit à retard aussi. Hein. Je peux aller comme ça? Bien sûr. On y va. Kamel vous a dit qu'il part au catéchisme. Bien sûr. Est-ce possible d'avoir des fétiches et être catholique?